Daniel Blas, parlons déjà de cette inauguration. Ça fait du bien d'avoir une patinoire ici à Perrois sur laquelle on peut enfin finalement jouer, pratiquer son sport favori, le hockey. Franchement, c'est un événement historique pour le club. Je crois qu'on va fêter nos 43 ans ou 44 ans et enfin on a une patinoire presque chez nous. Ça reste dans le district, c'est pas à Nyon, mais on est chez nous et c'est vraiment un événement fantastique pour le club et c'est un travail incroyable qui a été fait par les gens ici, par François Roch, par toute son équipe. Donc oui, c'est fantastique, on a de la glace, on va pouvoir commencer à s'entraîner. C'est vrai qu'il y a eu un petit flop la semaine dernière avec la glace qui n'était pas prête. Donc la préparation était un peu en retard, mais non, c'est vraiment bien. C'est vraiment un changement incroyable dans le club. Voilà, la glace elle est prête. Elle est comment cette glace? Quelles ont été les premières sensations en tant que joueur sur cette patinoire? Il y a encore deux trois petits trucs à améliorer sur la glace, mais autrement c'est très bien. On est content d'avoir une patinoire enfin, une grande patinoire, donc ça fait plaisir. Et puis au moins il y a un peu d'entrain, il y a un petit peu de gens qui viennent nous voir, on a une buvette aussi, c'est sympa pour après, donc ouais, on est content, plutôt positif alors. C'est vrai qu'on a moins l'habitude, on a perdu l'habitude de jouer sur des glaces sous les étoiles et dehors. Donc les conditions sont différentes, elle est un petit peu plus dure. Dès qu'il pleut un peu, on peut sentir un petit peu les imperfections de la glace. Donc c'est un peu différent, la luminosité est différente. Mais franchement, c'est sympa de jouer dehors. Bon, on va voir cet hiver, l'hiver qu'on va avoir. S'il pleut, il neige tout le temps, ça va être difficile. Mais écoute, on va s'y habituer. Le fait qu'on ait cette patinoire aussi nous permet de faire des entraînements, ça attire des joueurs aussi, donc on a pu étoffer un peu le contingent, ce qui est bien, et on sent un peu plus d'entrain, un peu plus de momentum, c'est vraiment bien, on a une bonne sensation, et puis aussi une bonne entente dans l'équipe aussi, ça commence un peu à se connaître, et donc ouais, ça fait du bien. C'était comment de jouer sur cette patinoire du coup pour un premier match? Ah là, c'était top, bonne sensation, ouais. Thank you.